Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue dans la zone Jeux de Société. Alors, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et que vous êtes en forme en cette magnifique, peu importe la journée que vous la regardez. Alors, on est aujourd'hui au deuxième épisode de la présentation du jeu Discover Terres oubliées. J'ai la version anglaise, mais la version française est maintenant sortie. Elle est sortie en même temps que la version anglaise, qui est toujours une très bonne nouvelle. C'est juste moi, malheureusement, c'est sorti quelques jours plus tard au Valet de Cœur, ce qui fait que j'ai pris la version anglaise. Mais bon, pour moi, c'est pas très grave, mais pour vous, dites-vous qu'il est disponible en français. Alors, c'est sûr et certain que je me suis rendu compte, parce que là, je filme ce deuxième épisode quelques jours après l'avoir mis en ligne pour le premier épisode, et évidemment c'est un jeu qui ne fait pas l'unanimité. Il y a des gens qui semblent être très intéressés par le jeu, il y en a d'autres qui disent que c'est un jeu qui ne leur parle pas du tout. Bien écoutez, je vais garder mes impressions pour justement mes premières impressions. On va continuer l'aventure. Alors on était rendu à la deuxième série de cartes, et je dois quand même vous dire que c'est la première fois que je fais le scénario 4. Alors avoir su que c'était une course, malgré que j'avais quand même un bel indice, mais je pensais que la course était seulement pour la première phase du scénario 4, mais je me suis rendu compte que même la deuxième phase, va falloir que je me dépêche. Il ne reste plus grand jour. Donc, il y a des très bonnes chances que ma partie s'arrête là. Alors, juste pour vous rappeler, je dois me rendre, donc tous les survivants doivent se rendre au numéro 104. Et au numéro 104, c'est là que je vais faire un stamina. Pour avoir joué une fois avec les marais, le 104, je suis pas mal certain que le 104 est dans un niveau 4. Donc, soit c'est 2 ici ou soit c'est 3 là. Je ne sais pas du tout où il est. Donc, on va prendre, disons qu'on va prendre une chance. Puis, n'oubliez pas que présentement, bien, j'ai exactement 3 blessures. Donc, une autre blessure et c'est terminé. J'ai pas de nourriture. J'ai pas d'eau. Alors, ça va très bien, mon affaire. Par contre, j'ai une torche, j'ai un rebreather, j'ai un arc avec 4 flèches, j'ai le Dragon's Blood et j'ai le Stone Pot. Toutes des affaires qui pourraient beaucoup m'aider. Mais c'est sûr et certain que là, vous voyez un petit peu la rejouabilité. Donc, en sachant que les scénarios 4... en sachant que c'est une course, mais je serais pas allé jusqu'en haut pour redescendre après ça jusqu'en bas. J'aurais probablement continué. Malgré qu'il fallait que je revienne quand même sur mon camp pour terminer le premier niveau. Donc, fait que voilà. En tout cas, on va y aller, on va voir. Il est dit que si je dois piger une carte à la fin d'une journée, donc on voit qu'il me reste 4 cartes, donc j'ai 5 jours. J'ai 5 jours pour accomplir la mission. Et il y a une blessure. Là, présentement, toutes mes blessures sont des empoisonnements à cause d'un effet de carte qui s'est passé lors à la fin du premier épisode. Fait qu'on va voir. On va y aller. Fait que là, évidemment, pour la première action, je vais faire ce qu'on appelle un gather. Alors, je bougerai pas. Je vais faire un gather. Et je vais me prendre ici mon médicament. Donc ça me coûte un stamina. Et pour mon deuxième stamina, bien, je vais l'utiliser. Alors, je vais le prendre. Et ce qui va me permettre de guérir un empoisonnement. Donc, je me sauve ici d'un point de vie. Et là, il faudrait que j'aille me chercher de la nourriture. Et là, il me reste 6 stamina. Bon, OK. Fait que là, ce que je vais faire... C'est parce que là, il faut que je m'en aille par là. Faut que je m'en aille le plus vite possible vers le numéro 4. J'ai pas de bouffe, mais il y en aurait. Donc, je pourrais faire 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, je pourrais me rendre jusque-là. Donc, je pense que c'est ce que je vais faire. Donc, je vais faire 1, 2, 3, 4. Parce qu'en théorie, c'est de l'eau, mais à cause de mon rebreather, et en faisant mon 4, je suis capable de prendre ça. Donc, on va juste être sûr que je prends mes 4 stamina, parce que dans le premier épisode, j'ai vu que j'avais oublié à quelques reprises prendre mes stamina. Alors, est-ce que je vais me prendre de la nourriture? Et c'est effectivement de la nourriture, mais c'est de la nourriture non comestible. Sauf que... Ouais. OK, sauf que là, je pourrais utiliser la torche pour me mettre un feu. Alors, je sais pas où sont mes... On comprend qu'on a deux jetons. On a des jetons feu supplémentaires ici qui me permettraient de faire cuire ma nourriture. Et là, c'est bien écrit. Donc, c'est pas écrit qu'on est... On va dire, je suis dans l'eau, mais je suis comme juste sur le côté de l'eau. Donc, je vais prendre un stamina pour faire du feu. On voit que ça me prend un et je dois défausser cette carte pour la mettre dans mon espace. Alors, je vais remettre le numéro 91 et on va mettre du feu ici. Et pour le dernier, ce que je vais faire, c'est que je vais cuire ma nourriture. Alors, on va cuire cette nourriture-là. Alors, la nourriture qui va devenir comestible. Alors, en espérant que je me suis peut-être sauvé donc d'un temps. Donc, voilà la nourriture comestible ici. Alors, on verra bien. Je vous dirais que j'étais à zéro et je me suis pas rendu aussi loin que je pensais. Mais peut-être que la chance va être de mon côté. On va voir. Donc là, on est rendu déjà à la phase de nuit. Alors, la phase de nuit, on y va. Donc, premièrement, malnourish. Alors, et en plus, je suis sur un feu. Donc, tous les survivants doivent soit prendre une... OK, donc tous les survivants doivent soit prendre un dommage d'empoisonnement ou dépenser un food et un eau. Alors, je n'ai pas un food et un eau. Alors, je deviens malheureusement empoisonné. Alors, au moins, je me suis sauvé la vie parce que ça aurait été probablement un des épisodes les plus courts. Ensuite, on a le Deep Sleep. Alors, tous ceux qui sont dans un feu gagnent 9 stamina. Oh, ça, c'est bon. Alors, je vais me gagner justement un magnifique 9 stamina à cause que je suis présentement sur un jeton feu. Et c'est écrit Low Flames. Après ça, tous les feux Burnout, Unless a Survivor of That Space spend un Wood. Alors, si je dépense donc tous les feux, donc celui-là, il s'éteint. Alors, je suis obligé de le rallumer si j'ai besoin de le faire. Alors que lui, jusqu'à ce que je dépense mon bois, je pense pas avoir le temps de revenir. Donc, je vais le rééteindre. Je vais l'éteindre aussi. Et ensuite, Night Stalker. Donc, tous les monstres bougent de 2 espaces vers le plus proche survivant. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, il va faire 1, 2... On n'a présentement qu'un seul monstre et on n'a pas eu la chance de vraiment s'attaquer ou d'avoir une attaque de monstre. OK. J'ai encore ma nourriture. Et là, j'ai 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, j'aurai l'occasion quand même d'aller me chercher de l'eau. Et... c'est une source intarissable d'eau. Donc, je pense que c'est ce que je vais faire. Regardez-moi bien. Alors, là, on commence la prochaine journée. Donc, je vais faire... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour mon 8. Donc là, c'est 7. Donc, je me suis fait 7. Donc, il me reste 2 stamina. Et je vais me prendre une pour un autre stamina. Je vais me faire un... Ah, en passant, non. Je fais un Move and Gather, c'est vrai. Donc, je vais me prendre mon eau qui est empoisonnée. Donc, il me reste encore 2 stamina. Et là, ce que je peux faire, c'est que... Ah, il faut que je sois un feu. Donc, il fait un fire, malheureusement. En tout cas, moi, j'ai de l'eau et j'ai de la nourriture. Donc, ça va peut-être me permettre de m'aider. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser un stamina pour faire une vérification ici. Donc, on va faire un scout. Et on a le 144 et c'est le 104 que ça me prend, malheureusement. Donc, j'ai pas le bon qui est là. On sait que ça peut être aussi sur un 2 ou un 3, je me souviens plus exactement. Donc là, je dois mettre une ressource de bois ici et je dois mettre une ressource ici de scrap. Hein. C'est des ressources de scrap. Et pour le dernier, alors pour le dernier, on va y aller, mesdames et messieurs, et on va faire un scout sur celui-là. N'oublie pas que c'est les adjacents et c'est le numéro 101 qui est là, malheureusement. C'est pas ce que je veux. C'est pas si grave. On a autre bois ici. Et là, on a un animal qui se cache juste ici. Alors, voilà. C'est ce qui termine ma journée. Oh boy! Donc là, ça se peut que ça se termine là. Okay? Ça se peut que mon deuxième épisode soit excessivement court. Malgré que j'ai de la nourriture et j'ai de l'eau. Donc, on va voir qu'est-ce qui va se passer. OK. Donc, chaque survivant doit... soit dépenser un eau ou souffrir d'un dommage d'eau. Alors, j'ai pas le choix. Je me dépense de mon eau ici et je dois lancer un dé. Et faut juste me rappeler, je pense que c'est 1, 2, 3. Faut juste être sûr. Donc 1, 2, 3, la partie est terminée. Donc si je pogne 1, 2, 3 sur un D12, la partie est terminée parce que je vais me prendre un dommage d'empoisonnement et là j'ai plus de place. Alors attention. 6. OK. Donc on est correct, mesdames et messieurs. On est correct. Malheureusement, on se fait un light sleep. Alors, on se reprend seulement 7. Donc, 7 petits stamina pour la prochaine journée. Ensuite, time passes. Alors, tous les survivants doivent lancer un dé pour déterminer un icône. Et pour chaque lancer de dé, je dois placer un feature token de ce type. Du supplier sur chaque espace qui a pas de token dessus. Donc, c'est pas très important, mais en tout cas, on va le voir. C'est 1. Alors, 1, c'est des animaux. Alors, tous les endroits qu'il y a des animaux qui ne sont plus là. Alors, je pense qu'il y a seulement ici qu'il y a un animal qui est disparu. Alors, je vais le mettre parce que les autres, tous les jetons sont présents. Alors, voilà. Et finalement, Eventful, tous les survivants doivent... qui sont pas dans un feu doivent se piger une carte de threat. Et on les aime pas, ces cartes-là. On les aime pas. Ça se peut que ce soit la fin de la partie. Alors, Dark Technology. Alors, c'est un autre ongoing. On se rappelle que j'ai un ongoing ici. Si justement on découvre le numéro 104. Alors, on essaie de se battre, mais ils sont trop... on essaie de se battre, mais ils sont trop forts. Ils ont placé des « Place your head in a strange device ». Donc, ils ont mis notre tête dans une machinerie bizarre. And then the world turns dark. Et tout d'un coup, le monde devient noir. Alors, when you are eliminated, donc quand on est éliminé, on devient un monstre finalement. Mais sauf que, entre vous et moi, étant donné, ça c'est évidemment si on joue à plus... Ah, d'ailleurs, c'est ça qui est écrit tribal. Est-ce que c'est ça qui est écrit? Parce que s'il est écrit tribal, je dois repiger une autre carte, mais c'est pas écrit spécifiquement tribal. Donc, ça ne nous touchera pas vraiment, mais j'aime autant ça comme ça. Parce que la partie continue, mesdames et messieurs. La partie continue. OK. Donc, première chose, je vais me prendre de l'eau. Alors, on va se reprendre de l'eau sale. On n'a pas le choix. Ça va peut-être nous permettre de survivre encore. Alors là, j'y vais. Et là, j'ai pas le temps. Donc, je fais 1, 2. Alors, 1, 2. Et on va faire 3. Donc, il va me rester 3 ici. Et on va vérifier ceci. Est-ce que le 104 va être là? Oui! Oui, mesdames et messieurs, le 104 est présent. All right, all right. OK, on l'a trouvé. On l'a trouvé. Alors, on met une autre source d'eau ici. On met une scrap juste là. OK. Oh, là, je suis content. Là, je suis très, très content. On n'a pas de temps à perdre. Il me reste 3 encore. Et je vais pouvoir me rendre, mais je pourrais pas le faire à la fin de ce tour-ci parce qu'il faut que je dépense un stamina. Donc, on va faire un move and gather pour 1. Alors, il me reste 2. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'il y a en dessous de ceci. On voit que j'ai 2 scraps. Alors, 2 scraps, est-ce que j'ai quelque chose? Je pourrais, si je veux, me construire une frying pan ou je pourrais me construire un body armor. Oh, un body armor. Ça pourrait être intéressant. Est-ce que je le fais? Parce que de toute façon, je ne réussirai pas ça là. OK, je pense que je vais faire ça. Donc, je vais faire... Ah! Ou je vais me chercher de l'eau. Alors, je pense que je vais me faire un body armor. Alors, je vais aller là pour 1. Et pour le dernier, je vous rappelle que mon personnage permet que ça coûte 1 de moins lorsque ça coûte 2 ressources ou plus. Alors, je vais dépenser mes deux petites scraps ici pour me construire un magnifique body armor, mesdames et messieurs. Alors, un body armor... là, je cherche... Ah, j'ai mis là mes cartes. Alors, c'est le numéro 99 que je dois aller chercher ici, dans la pile. Alors, le numéro 99, on voit que c'est une défense. Donc, pendant un combat, ça prévient un dommage si l'ennemi présente un nombre qui est impair. Donc, OK. Fait que c'est pas si pire que ça, malgré que c'est pas exactement peut-être ce que je voulais. Mais ok, en tout cas on verra. Je vais me piger une autre carte. N'oubliez pas qu'à chaque fois il faut se piger une autre. Donc on a un Wooden Shield comme possibilité. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc là j'ai 9 jetons. N'oubliez pas que la limite c'est 10. Et là, mesdames et messieurs, là je vous dirais que ça passe ou ça casse. Là on est vraiment très proche de la fin. On va voir, Alors on y va. Water sort... Ah, mon Dieu. OK. Tous les survivants doivent défausser 2 water. Alors, j'en défausse une. J'espère que ça me fera pas mal. Alors, attrition. Tous les survivants doivent tourner un de leurs dommages en dommage qui ne se guérira pas. Alors, c'est n'importe quel. Donc, oui, il faut que ce soit n'importe quel. Donc, on va prendre celui-là. Donc, c'est un dommage qui devient non et qui ne peut pas se guérir d'aucune façon que ce soit. Les autres, pour moi, présentement, c'est des maladies. Malheureusement, c'est seulement 6 stamina que je vais avoir pour le prochain tour. Oh, Seigneur, hein? Tout ça pour vraiment beaucoup nous aider. Et Drawn by Sand, donc tous les monstres maintenant bougent de 3 espaces vers la personne qui n'est pas à un feu. Alors 3, faut dire qu'il est pas mal loin. Donc 1, 2, 3, il va se rendre jusqu'ici. C'est les seuls monstres que j'ai pour l'instant. Alors on y va, mesdames et messieurs. Alors... 1 et 2. Alors, il va me rester 4 stamina. Et là, mesdames et messieurs, on voit ici, c'est écrit. Donc, tous les survivants sont à landmark numéro 104. Et là, d'ailleurs, ici, il faut que je regarde. When you would draw a threat card. Ouais, OK, ça, c'est pas un threat card que j'ai eu. Alors, je peux aller maintenant au stage 3. Oui, mesdames et messieurs, on s'en va au stage 3. On y arrive, messieurs. On est vraiment rendu à la fin de la partie. Alors, je vous lis la carte numéro... Ben, pas numéro, mais en fait, c'est le scénario 3... scénario 4. Excusez-moi, stage 3. Alors, le baron Von Cleef est devant nous. Il est en train de mettre de la puissance à une machine étrange. Ah! Vous êtes venus pour regarder les festivités. Alors, dans ses mains, il y a les talismans qu'on a d'ailleurs eu dans nos propres mains lors du scénario 3. Alors, il a des talismans et il se prépare à l'utiliser sur la machinerie. Skoll va bientôt avoir assez de pouvoir pour vous détruire, vous et vos alliés. Au moment où le talisman touche la machinerie, un gros trou se fait dans la fabrique, en tout cas dans la réalité, et une main passe à travers et prend le baron. Il l'amène, il crie. Alors, je dois maintenant mettre le jeton spécial monstre numéro 186 à landmark 104 et l'ennemi va nous mener à la fin de la partie. Alors, 186, vous voyez que c'est lui ici. Donc, c'est le fameux jeton numéro 186. Alors, je le mets là-dessus. On va aller prendre, donc, l'ennemi numéro 186. Oh, est-ce qu'on va réussir? On va voir. Alors, 186, mesdames et messieurs. Alors, on l'a. Et ça va probablement nous indiquer comment va se fonctionner la fin de la partie. Alors, on a la fameuse main. Regardez, on va se battre contre une main. Donc, la terreur de l'au-delà. 5 points de vie quand même. Et, oh, ça, c'est quoi qui est écrit ici? Ah, je me rappelle plus. Alors, il va falloir que je retourne ici. Ça, je sais que ça veut dire quelque chose de 3 fois. 3 fois le nombre de joueurs, là, probablement. Alors, ça peut sembler être la fin du monde comme on le connaît. On ne se sent pas très bien. Alors, ça, c'est un lethal. Lethal, ça veut dire qu'il ne se sauve pas. Donc, c'est un combat à la mort. Et lorsqu'on gagne, on prend la carte numéro 159. Alors, la carte 159. Mesdames et messieurs, c'est le combat de la fin. Mais là, j'ai beaucoup de possibilités quand même. Là, il faut juste que je regarde, par contre, qu'est-ce que veut donc dire ce numéro qui est juste là. Alors, je vais retourner dans le livret d'instructions, qui est quand même bien fait. Je pense pas que j'aurai besoin de vous le laisser pendant que je regarde. Parce que je pense que les informations étaient quand même écrites. Ah, c'est ses points de vie. Ah, ben oui, OK, c'est ses points de vie. Donc, ses points de vie, c'est 3 fois le nombre de... 3 fois le nombre de joueurs. Donc, étant donné que je suis seul, il y a donc 3 points de vie. Alors, pas plus dur que ça. Vous êtes prêts? Je pense que c'est la bataille finale, mesdames et messieurs. Je vais être vraiment chanceux, sauf que j'ai un dégât et c'est terminé. Sauf que, faut pas oublier... il faut pas oublier que j'ai mon body armor qui pourrait m'aider. J'ai également mon bow and arrow. Donc pendant le combat, je peux dépenser un jeton de cette carte ou pour relancer un ou tous les dés. Oh, j'ai quand même beaucoup de chance là. Et si je me rappelle bien, je peux faire ça une fois par combat. Et chaque lancer de dés est constitué comme étant un combat. Alors ça me prend 10 sur mon degré pour le toucher. Lui, il a besoin de 5 pour me toucher. On y va. Ah, on voit que là, il y a 6, donc ils vont me toucher. Et là, on va relancer le dé. Et un 2. Donc, je ne le touche pas. Par contre, attendez. Je vais utiliser, donc je peux le faire une fois. Donc, je vais utiliser ce jeton-là pour relancer les 2 dés. Oui, les 2 dés. N'oubliez pas que c'est un combat. Donc, ah, il y a 8. Donc, oui, il me touche. Et moi, j'ai... Et là, c'est un... Ah, et c'est terminé, mesdames et messieurs, parce que moi, j'ai un 4. Alors, je ne le touche pas. Et là, ici, c'est écrit que ça, je peux prévenir un dé s'il représente un odd number. Par contre, j'ai ici un bois. Ici, le bois me permet de relancer le dé gris, mais pas le dé rouge. Le dé rouge, c'est un... Ça serait... Oh. Non, j'ai absolument rien que je peux faire. Je vais juste revoir. Parce que ça, effectivement, c'est écrit... c'est bien écrit que je peux utiliser qu'une seule fois par combat. Je pense que non, malheureusement, c'est la fin pour moi parce que je me fais un 4e dégât. J'ai pas été capable. Et voilà, c'est terminé, mesdames et messieurs. J'ai pas réussi à passer au travers de... la fameuse aventure. Je sais que j'étais supposé de faire un 3e épisode, mais je savais que ça, en lisant la carte, que ça allait faire un 3e épisode beaucoup trop court. Alors voilà, mesdames et messieurs, c'est une mission ratée, mais quand même passée très proche de la réussir en étant focusé à la fin. Fait que c'est ce qui met fin à ma présentation de Discover Terres inconnues. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez apprécié. En tout cas, si ça vous intéresse de connaître ma vision du jeu, ben revenez-moi lorsque je vais vous donner ma première impression dans pas grand temps. Mais d'ici ce temps-là, bien abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez voir mon Facebook ainsi que mon Instagram. Allez faire un petit tour également sur le site de mon commanditaire, le Valet de Cœur, au www.levalet.com. Site magnifique où vous pouvez vous procurer Discover Terres inconnues en français ou en anglais. Et d'ici la prochaine fois, mesdames et messieurs, bien, amusez-vous avec vos jeux de société et on va se revoir très bientôt.